acting, and yeah, coming on. C'est important pour mon temps. Oui. Avec tes deux jours. Bon, là, ils ont commencé à cultiver entre les palmiers maintenant, mais avant, il n'y avait rien. On trouve des légumes, on trouve du maïs, on trouve du rat. On cultive le henné. Le henné, c'est cultivé dans la région de Zagora. Non, c'est pasta. Pasta. Et au mois de novembre, on organise, là, au sud de Maroc, à Erfurt, des synagogues encore, des villages. Vous en habitez les Juifs qui sont en ruine. On avait des Juifs berbères et des Juifs arabes. Ah, on a encore des cimetières juifs, des synagogues ici, dans le sud marocain. Mais avec les filles de la région qu'on va traverser demain, des vallées, de draps, de détestes, tout ça, c'est aimé par les juifs. Ils font l'eau de vie avec, l'eau de vie, ce qu'on appelle mahia, avec un patio. C'est aéré de l'intérieur. C'est énorme. Mais quand il s'agit des maisons où il y a des chambres, plusieurs chambres, et des faces fermées, là, ils mettent des ouvertures à l'extérieur, des fenêtres. Mais les fenêtres, on les voit avec des grillages. Avant, il n'y avait pas de grillage. Avant, il n'y avait que des fenêtres en bois avec des petits trous. Ce qu'on appelle les moucharabia. Pour que la femme voit sans être vue. Maintenant, en fer. Et ça sert à trois choses. Il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont partis au Canada et en Amérique. Si un jour ils décident de revenir, alors ils sont toujours des juifs marocains. Pas de problème. Parce qu'ils sont toujours des juifs marocains. L'intérieur de leur maison, c'est pas comme l'extérieur. C'est de la terre avec de la paille, mais à l'intérieur, il y a des rails qui sont entourés par des mosaïques, des carreaux de mosaïques. Soit c'est peint avec de la chaux pour mettre leurs mille et les ânes.